Pour cet été, la tendance vraiment de fond, c'est le côté très écolo. Alors évidemment, j'ai rien inventé, mais c'est vraiment très présent en fait. C'est vraiment ancré maintenant dans notre manière de consommer. Donc on a les produits écolo et puis tous ces dérivés. Donc on a le côté très végétal, la présence de beaucoup de fleuries avec des fleurs surdimensionnées ou des feuillages très importants, le côté un peu exotique aussi qui revient. Donc ça, c'est une vraie tendance de fond pour cet été. Donc du végétal et de l'écolo et vous aurez un intérieur hyper tendance. La mode de notre intérieur ne suit pas la mode vestimentaire et donc c'est plutôt une excellente nouvelle. Dans l'intérieur, dans la décoration, les choses sont plus structurantes, elles sont là pour plusieurs années, c'est une lame de fond, c'est une matière, c'est comme la laque qui rentrait beaucoup dans nos intérieurs, qui ressortira dans quelques temps, c'est comme le retour du papier peint, l'habillage des murs avec des peintures ou des motifs sur un rideau. C'est très actuel, mais c'est très actuel pour plusieurs années. Voilà. À partir de ce moment-là, on a l'accessoire qui va venir tout de suite donner le coup de peps. On va rajouter des choses très très actuelles, très très pointues, comme des codes couleurs, comme cet été, beaucoup de jaune par exemple, ou ce genre de choses. Alors évidemment, il y a les grands designers qui nous font des très jolies choses et dont on a tous très envie d'acheter des choses très très chères et très très belles. Mais bien heureusement qu'il y a des marques et des enseignes qui démocratisent les choses et qui font qu'on peut avoir un intérieur très mode, très déco, très actuel et pas cher du tout. Donc non, bien heureusement, un accessoire déco ne doit pas forcément être cher pour être beau et pour être essentiel à notre intérieur.